Et ben alors, tu t'en fais tout un fromage, ça y est, tout va bien. Parce que t'en as 5000, c'est quand même plus 5000 que moi je suis qu'une personne. Avec 5000 personnes, tu vas y aller, tu vas pas nous embêter. Quand tu vas rentrer en scène, de toute façon, plus il y a de monde et moins tu as peur. N'aie pas peur, vas-y, fonce dans le tas. Alors, je vais te dire gros merde et tu ne réponds pas, d'accord? Ouais. Allez, vas-y. Ah, les mômes, alors, ils sont effrayants. Allez, vas-y. Ça fait plaisir, merci ça. Ça fait des années. Ça fait des années que vous vous moquez de ce garçon-là qui vous a jamais rien fait. Est-ce que vous avez déjà songé un seul instant, rien qu'une fois dans votre vie, à tous ces enfants en Belgique aujourd'hui qui s'appellent Kevin? Est-ce que vous avez déjà songé au calvaire de ces enfants-là à cause de moi? Vrai, hein? Mais il y a pire, il y a pire, il y a pire. Il y a des enfants qu'on appelle Elisabeth aussi, mais ça, c'est pas moi. Non, où est-ce que tu vas? Non, Kevin, je vais m'attaquer sur ta tête devant tout le monde qu'on n'a pas encore commencé, hein? Tu n'as pas besoin de ça, en plus, c'est pas pour les petits garçons, ça. C'est pour les petites filles. Un plumier de Pocahontas. Allez, allez. Oui, non, j'en ai acheté à ta sœur, mais ta sœur, c'est pas la même chose. Parce que si je lui ai acheté un plumier de Pocahontas, c'est parce qu'elle a une mauvaise vue. Voilà. Parce que c'est un pot de chamois, comme ça, elle peut frotter ses lunettes. Allez.
Mais madame, il est jaloux de sa sœur parce qu'à sa sœur, j'achète de belles affaires. J'en peux quand même rien si on fait des plus belles affaires pour les petites filles, pour les petits garçons. Hein, c'est vrai. Je trouve qu'on fait des plus belles affaires pour les... Ça va, madame? Ah, mais ça va, alors. Hein? Non, ma fille, parce... non, parce qu'elle est une femme... Et... Non, ah, vous bougez, ça va, alors. J'ai cru que vous aviez fait un malaise. Hein? Non, excusez-moi. Non, mais... Ah bon, c'est commencé, hein, maintenant. Ça va aller, madame. Ah, ça va. Maintenant, vous avez récupéré, non, parce que vous aviez du retard sur les autres, quand même. Heureusement, tout près, parce que vous avez vu le plus loin, avec la vitesse du son, vous preniez du retard. Hein, c'est... Il y en a qui ont plus de mal que les autres. Vous, êtes, hein, vous avez l'air d'avoir plus de mal. Hein? Vous êtes dans l'enseignement. Oh, non, mais je disais quand même quelque chose. Je disais, je trouve qu'on fait des plus belles affaires pour les petites filles, pour les petits garçons. C'est pour ça qu'il est jaloux de sa sœur, mais je n'en peux quand même rien dans les magasins si on trouve des plus belles affaires, hein, pour les petites filles, pour les petits garçons. D'ailleurs, l'année passée, oh, à la gamine, l'année passée, pour la rentrée, je lui avais acheté une Barbie Compa. C'était une Barbie Compa, madame. Une Barbie Compa. Mmh. Dites ses parents avec vous, ça, parce que... C'est une Barbie, madame, c'est une Barbie. Comment est-ce que je vais vous expliquer ça? C'est une Barbie, mais que c'est un compa. Autour de ses cheveux, ça fait des ronds. Je ne peux pas vous dire autre chose. C'est-à-dire que c'est une Barbie, mais au bout d'un de ses pieds, il y a comme une petite aiguille. Et de l'autre côté, on peut mettre un crayon, mais on dirait Moby Dick. Alors ça, je n'aime pas. Ou alors, on peut mettre un tire-link en métal, comme pour faire un log de Chine, mais ça, je n'aime pas non plus, parce qu'à chaque fois, on dirait qu'elle a su un dos d'organe de Robocop. Voilà, c'est la Barbie Compa. Et alors, je l'avais acheté pour la gamine parce que c'était intéressant, c'était en promotion. Parce que gratuit avec, on avait le Ken Coltou. Que oui, ah, on avait acheté le même. Ah, bon. Le Ken Coltou. Ken, le mari de Barbie. Je le fais bien. Là, c'était un Ken, mais c'est un Ken Coltou avec la Barbie Compa. C'est un Ken Coltou, c'est-à-dire que c'était un Ken, mais quelque part à mi-hauteur du Ken, quelque part par ici. Il avait comme une petite pipette. Ma proportion, c'était déjà une belle pipette, hein, ça faisait une pipette. Et alors, on se coupe un petit peu comme ça, une petite goule de Coltou qui sort. Oui. C'est bien. C'est lavable à l'eau, mais ça fait des taches quand même. Hein. Ah, oui. Ouais. Voilà, ben c'est la chose qu'on fait pour les enfants maintenant. Hein. Et où est-ce que tu... Non, hein? Ah non, tu vas pas recommencer. Regarde, madame, qu'elle est méchante. Mmh. Regarde, madame, qu'elle est mauvaise. Qu'elle est là. Mmh. Je fais... Mmh. Regarde, qu'elle est... Je sais bien, madame, que c'est une thrombose, mais lui ne le sait pas. Mmh. Écoutez, non, mais... Je n'arriverai pas à m'en sortir si vous ne me donnez pas un coup de main. Non, tu n'as pas besoin de colle. C'est pas parce que je parle de la colle avec... Montre-moi ça. Non, encore moins, on va reporter ça. Aptitude de colprite, il n'en est pas question. La colprite, tu l'as... Tu sais très bien pourquoi, parce que tu ne ranges pas tes affaires. Quand tu rangeras tes affaires, l'année est passée, madame. Ça fait peur, hein? L'année est passée. Je lui achète aptitude de colprite assez, hein? Hein? Qu'il l'a laissé traîner partout dans la maison, hein? Que je me souviens que c'était en plein mois de novembre, jusqu'au jour où il l'a laissé traîner à la salle de bain, d'ailleurs. C'était en plein mois de novembre, puisque j'avais été mettre des fleurs sur ma maman, je me souviens, il avait fait fort froid. J'avais eu mes lèvres gercées. Les autres, ils ont déjà compris. Mais j'ai été mettre du beurre de cacao à la salle de bain. Madame, j'ai dû manger de la soupe à la paille pendant 15 jours. Hein. Je n'arrivais plus à ouvrir la bouche. Là-dessus, son papa l'a récompensé. Il lui a offert une cassette vidéo. Et en plus, pourquoi tu veux de la colle? C'est pas sur les causes de l'école. Non, alors encore moins. C'est pour les bricolages? C'est pour tes bricolages de l'école? Ah ben non, ça, tu peux les garder. Ah ben encore moins. Pour fabriquer mon cadeau de fête des mères, cette année-ci, encore moins. Moi, je vais dire, tes cadeaux de fête des mères de l'école, maintenant, tu peux les garder pour toi. Hein. C'est pas une poubelle ici, hein. Ça va? Ah, mais vous ne savez pas ce que j'ai reçu comme cadeau de fête des mères de l'école l'année passée? J'ai reçu un collier de coquilles de moule, madame. Ah oui, mais si, les avait nettoyés avant. Ah, non. Ah, je ne vous dis pas l'odeur. En plus, pour lui faire plaisir, j'ai dû le mettre. Ah, bon, je ne l'ai pas mis pour sortir, mais quand même, je l'ai mis pour aller au marché. Oh, en montant dans le bus, il y a le chauffeur qui dit, « Dites, madame, c'est quoi votre parfum, là? C'est Brise-Lame de chez Léon? » J'ai dit, « Non, c'est Marée Basse de chez Colruyt. » Oui, hein, j'étais gêné, hein. J'étais gêné.
Là-dessus, je n'ai pas osé revenir en bus, hein. J'ai revenu à pied. En revenant à pied, je suis passé en face de la veuve qui habite à côté de chez nous autres. C'est la première fois qu'il m'a dit bonjour, madame. Non, ça ne cherchait pas. Ça vous. Ça, c'est les cadeaux de fête des mères de l'école du. Oh, que vous m'en parlez, que ça me revient. Il y a une paire d'années, au moment de la fête des mères, je vais dans ma garde-robe, je me fais. Mec, je me fais. Mais où est-ce que j'ai mis ma jupe plissée? D'accord? Des années de travail, hein, attention. Des années, regarde. Oui, je fais aussi des choses plus accessibles comme ça pour des gens. Ouais, pour qu'ils profitent un petit peu. Je fais, mec, je fais. Où est-ce que j'ai mis ma jupe plissée? Impossible de remettre ma main sur ma jupe plissée. Il me l'avait emmené à la coloc achète pour fabriquer mon cadeau de fête des mères. Il m'avait amené ma jupe plissée et 2 kilos d'abidon. Cette année-là, j'ai reçu comme cadeau de fête des mères un abat-jour. Si je n'avais pas l'air bête dans le quartier, j'étais la seule à avoir un abat-jour de chez Super Cofex. Ben voilà. Ça, c'est le cas. Que vous m'en parlez? Ça me revient maintenant. Il y a 3 ou 4 ans, au moment de ma fête des mères, je me dis, mec, je me dis. Où est-ce que. Regarde, après, c'est tout, hein. Ça va? Profite, hein, profite. Hein. Où est-ce que j'ai mis mon chauve-biberon? Impossible, madame, de remettre ma main sur mon chauve-biberon. Bon, notez que je ne m'en servais plus parce que, bon, il prend plus de biberon, ça sert non plus depuis des années. Mais moi, j'avais encore gardé pour moi, que je m'en servais encore pour moi, que je vous dirai pourquoi après. Parce que j'ai mis mon chauve-biberon. Il me l'avait emmené à l'école, mon chauve-biberon, pour fabriquer mon cadeau de fête des mères. Ah oui, cette année-là, j'ai reçu comme cadeau de fête des mères avec mon chauve-biberon un service à fond du bourguignon électrique pour une personne individuelle, madame. Mais c'est dégueulasse, hein. C'est là-dedans que je faisais chauffer ma cire dépilatoire, moi. Ah, ça, c'est le cadeau de fête des mères de l'école du gamin. Alors qu'à l'école de la gamine, là, ils ont des idées. Là, je dois dire qu'ils ont des idées. Hein? L'année passée, par exemple, pour fabriquer mon cadeau de fête des mères, la gamine, elle a dû amener à l'école un vieux pull et une bouillotte. Oui. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle a fait avec le vieux pull et la bouillotte? Vous allez voir qu'il y en a qui ont des idées, hein, pour des enseignants. Vous allez voir, il y en a qui ont de l'imagination. J'ai reçu comme cadeau de fête des mères avec mon vieux pull et ma bouillotte un thermo de voyage mou à cassard. Gardez que c'est une belle idée. Donc, c'est-à-dire qu'elle a mis la bouillotte dans le pull comme ça, qu'elle a coupé les manches du pull, qu'elle a recousu en dessous. Et alors, il y a le goulot de la bouillotte qui passe par le col roulé du pull. C'est beau. On dirait que la bouillotte a eu un accident de voiture. C'est de toute beauté, c'est beau. C'est un thermo de voyage mou, incassable. Et moi, bon, c'est intéressant pour moi, comme je vais souvent en voyage, que je fais des voyages d'un jour en autocar, je le prends, oui, avec la mutuelle, oui, je fais des voyages. S'il ne riait pas, c'est bien, c'est bien. C'est des voyages d'un jour avec la mutuelle, où on va au grotte dehors, on passe au jardin d'Anneuvoy, il y a Robert Cogois qui vend des casseroles, et puis on rentre à sa maison, c'est bien. C'est bien. Ah, moi, j'ai des casseroles pour 5 générations, hein. Tout de l'arcopale, hein. C'est magnifique. Ah oui, eh bien, c'est pour ça que je le prends avec moi. C'est le thermo de voyage mou que je le prends avec moi dans l'autocar. Voilà. Enfin, notez que je le prends vite parce que non, je n'aime pas boire quand on roule parce qu'après, je suis vite malade. Non, je le prends vite parce que j'ai une petite vessie. Oui. Non, ben oui, madame, qu'est-ce que je... On peut... J'en peux rien, le vêtement. J'ai la vessie de ma marraine, je n'en peux rien, moi. Oui, je ressens beaucoup ma marraine du côté de ma vessie. Et quand j'étais toute petite, les gens disaient... Wouh! Elle ressort fort sa marraine du côté de sa vessie. Elle a tout la vessie de sa marraine. C'est vrai que ma marraine avait une petite vessie, j'ai la vessie de ma marraine. D'autant que c'est des autocars de luxe. Hein. Il a des cabines dans le fond. Je pourrais aller au cabinet de l'autocar, mais je n'aime pas moi aller au cabinet de l'autocar. Je suis gêné. Non, parce qu'on sait tout de suite qu'est-ce qui va, hein. C'est vrai. Hein. Bah oui, quand vous traversez le corridor de l'autocar, d'aller au bout, c'est rare que c'est pour aller à la terrasse. Hein. C'est vrai, en plus, on entend tout ce qu'on fait. Quand on ouvre la porte, on sait ce qu'on a fait. Bon, on n'aime pas, on n'aime pas. Même pas. Moi, je suis vite gêné. Je suis vite gêné. D'ailleurs, une fois, j'ai été obligé d'aller parce que ben, je n'avais pas encore ma bouillotte. Parce qu'avec la bouillotte, c'est bien, on n'en met nulle part. Parce que quand vous voyez le goulot de la bouillotte, ça... Après, on remet le bouchon, c'est bien. Et même s'il fait froid, ça tient chaud. Donc, ben, il faut être pratique. Il faut être pratique. Non, je n'aime pas d'aller au cabinet de l'autocar, mais une fois j'ai été obligé d'aller parce que je devais faire ma petite et j'ai eu un accident. Alors, et heureusement que c'était avec ma petite d'ailleurs, parce que si ça avait été autre chose, ça aurait été une catastrophe. Je devais aller, moi je vais vous raconter, j'étais en train de rouler, qu'on roulait assez, hein, qu'on roulait assez. Et alors que j'étais installé comme ça, qu'on roulait, hein, je regardais, hein, je faisais au revoir à Robert Cogois, au revoir, assez. Et me voilà pas comme une envie de faire pipi. Mais si, donc je me lève.
Et je fais, pardon, excuse, je vois pas ça, pardon, excuse, hein, je raconte bien. Et me voilà parti au fond de l'autocar pour aller au cabinet et je m'installe, hein, je m'installe, j'ai tout installé. Et quand je vais au cabinet d'autocar, je ferme toujours bien mes jambes parce qu'avec les jambes écartées, par le trou, on voit les bottes de l'autoroute qui passent comme ça, là, ça s'en va. Non, parce qu'après, je suis... Il y en a qui ont déjà été, hein? Je m'installe et il faut dire que le verrou ne fermait pas bien. Je me souviens, le verrou ne fermait pas bien, c'est important. Et je m'installe, hein, que je vais dire que je m'installe ainsi, hein, et j'étais en train. Non, j'étais en train. J'étais encore dans l'autocar, hein, j'étais encore dans... Ah bon, parce que je lui ai dit que j'étais en train. Le... Faites un effort, hein, faites un effort. J'étais en train. Et au moment que j'étais en train, il y a un sanglier qui traverse l'autoroute, madame. Le chauffeur, pour l'éviter, il freine des deux pieds. Je crois que je n'ai jamais été aussi vite pour traverser tout un autocar. Hein. Je n'ai pas touché une valise, tout en vol plané. Hein. Avec la vitesse majeure par monter en dessous de mes bras, on aurait dit que Batman était rentré dans l'autocar. Hein. J'ai atterri assis sur le tableau de bord. J'ai fait mes dernières gouttes là-bas. Hein. Ah oui, ça. Je vais vous dire ça. Le chauffeur, il avait évité le sanglier, je n'ai pas raté le cendrier, hein. C'est pour ça que moi, je vais vous dire, quand on reçoit des cadeaux de fête des mères ainsi, on n'a qu'une envie, c'est de leur dire qu'ils ont été adoptés. Merci, bonsoir. Si on m'avait dit un jour, genre, je me retrouverais ici, c'était extraordinaire. J'étais déjà venu avant, hein, à Forêt. Si, j'étais venu voir Holiday on Ice avec mon papa et ma maman. Je ne ris pas. La première fois que je suis venu à Forêt Nationale, je m'en souviens fort bien, et c'est pas pour vous faire plaisir, c'était là-bas. Vraiment. J'étais assis par là. Ah ouais, ouais. J'ai déjà dit, faut jamais inviter les autocars. J'étais là-bas. Là-bas, avec mon papa, ma maman, on était venus voir Holiday on Ice. Et là-bas, petite anecdote, je ne sais pas si vous avez vu à Forêt Nationale, il y a une patinoire à côté, dans le même bâtiment. Je vous jure que c'est vrai, on n'était jamais venus, nous on était à la patinoire, on était à attendre. C'est vrai. On ne comprenait pas. Mais c'est authentique. On a attendu et finalement c'était ici, c'était bien. C'était... D'habitude, quand je vais à Bruxelles, maintenant je vais au Comicar. Le Comicar, 150 places, c'est bien aussi, j'aime bien. Je préfère ici. Je gagne plus. Hein. Combien vous payez au fait ici? Combien c'est? J'espère bien, oui, c'est cher. Non, sérieux, combien vous payez là? Les premiers rangs, c'est 50 euros? Euros? 50 euros? C'est une escroquerie. 50 euros? Et vous aussi là? C'est du gaspillage, vous. Si on m'avait dit le jour où j'étais assis là avec mes parents que j'allais venir. Il y a des destins comme ça, incroyables. Regardez Diroupeau. Un immigré qui surgit du fond de la nuit, court vers les emmerdes au galop. Son nom, il le signe à la pointe du stylo. Un dé qui veut dire Diroupeau. Tantratatam, Elio, Elio, Elio. Un immigré qui fait sa loi. Elio, Elio, Elio. Fais gaffe, tu vas l'avoir dans le bas. C'est des destins comme ça. Si on avait dit un jour à Louis Michel que les socialistes finiraient par voter pour lui pour avoir moins l'impression de retourner leur veste. C'est des destins comme ça. Si on m'avait dit quand j'étais assis là-bas qu'un jour je viendrais peut-être vous,
vous rencontrer ici. Je l'aurais jamais cru. J'étais pas destiné à ça, moi, au départ. C'est une erreur. Mais je regrette rien parce que je voudrais vous remercier de m'avoir donné autant de plaisir depuis 20 ans. Bonne soirée. Hey, Gaga. Et à l'autre, hein, vous êtes venu me voir, vous? Faut venir. Ah, j'ai toujours à la même place. Vous pouvez pas vous tromper. Une belle grande maison. Avec une sonnette en cuivre, hein, c'est. Avec hospice dessous. Et où on se pisse dessus. Ouais. Je n'ai jamais compris ce qu'ils voient un grand panneau à l'entrée. Silence! Ça sert à rien, on n'entend plus rien, nous. Quelle bande d'hypocrite que c'est ça! Silence! Et tous les infirmières ont de se lâcher en bois. Clac, 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 clac. Ça fait même le bruit que ça fait, ce machin-là. Clac, 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 clac. Oh. Ah, quand elle passe et qu'elle repasse ainsi dans les corridors, on dirait Jean-Michel Seif qui s'entraîne pour un tournoi de jokari. Enfin. Oh, pour ça, on est bien mis. On appelle ça une maison de repos. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'animation. Hein. Finalement, quand je fais le bilan, j'aurais passé toute ma vie en maison de repos. Hein. Parce que j'ai fait toute ma carrière au chemin de fer. Je ne suis pas beaucoup fatigué. Gaillard. Oh, c'est pas ça. C'est pas qu'à ma maison, je ne me plaisais plus, mais il y a quand même plus d'animation ici. Hein. Quand j'habitais encore à ma maison, bon, j'allais encore à Coxyde une fois par an. Mais ici, je vais à la Panne trois fois par jour. Ça occupe. Hein. Et quelquefois, les infirmières, elles viennent me la mettre, mais je ne sais pas aller. Alors, elles sont méchantes. Hein. Elles viennent me la retirer. Pour... Elle m'a fait, et alors, on n'a pas fait? Je n'ai pas inspiré. Et je lui dis, c'est pas parce qu'on a 84 ans qu'on peut plus vous faire le coup de la panne sèche. Mais quand je suis arrivé ici, ce qui m'avait pas plu, c'est qu'il n'avait pas de chant particulier. J'ai dû aller avec quelqu'un. Donc, j'avais fait une demande, mais j'ai annulé la demande. Il est mort, donc... Oh, je ne regrette pas. Oh, un mauvais coucheur, hein, si. Oh. Et comme il dormait tout le temps, c'était tout le temps un mauvais coucheur. Hein, ouais, ouais. D'ailleurs, c'est parce qu'il dormait tout le temps qu'il m'avait obligé à mettre des écouteurs pour regarder ma télévision. Eh bien, il a été puni par ce qu'il a pêché. Hein. Parce que s'il m'avait pas obligé à les mettre, j'aurais peut-être entendu qu'il s'est tranglé avec le fil de sa sonnette. Bien fait pour sa gueule, ouais. On ne s'entendait pas. On ne s'entendait pas bien, mais on nous avait obligés à nous mettre tous les deux ensemble parce qu'il avait des problèmes de respiration comme moi, mais plus fort encore. Lui, il était toujours sous bonbonne. Je rappelle le commandant Cousteau. Et il toussait. Il toussait tout le temps. Ça m'agaçait. Et comme vous. Ah, il va y avoir de la place bientôt si ça vous intéresse. Mais lui, il toussait, mais quand il toussait, oh, il toussait. Et quand il toussait, il avait sa gorge qui passait par toutes les couleurs. Oh, quand il avait ses quêtes de tout, il avait des têtes de cou. Oh, tellement. Et quand il toussait, il crachait. Tellement ce qu'il toussait, qu'il crachait. Oh, il crachait. Tiens, ça me fait penser que depuis qu'il est mort, on ne mange plus d'huîtres. Enfin. Non, ils m'en ont mis un nouveau maintenant. Vital qui s'appelle. Il s'appelle Vital, il est gentil. Fort, fort gentil. Vital qui s'appelle. Ouais. Ouais, mais il parle aux oiseaux, lui. Il est... Il n'a plus toute sa tête. Hein. C'est le docteur qui dit qu'il fait de l'artérosclérose. C'est les artères qui se bouchent. Moi, je dis, il a le fil qui se touche. Hein, parce que... On m'a dit, non, on m'a dit,
C'est les artères qui se bouchent. Il paraît qu'on ne sait rien faire pour ça. Il n'a pas de traitement. Donc, il les a. C'est pour ça que moi, le soir, pour l'aider, comme il a ses artères qui se bouchent de temps en temps, quand il n'a plus personne, je vais toujours mettre un petit peu de desktop dans son backstage. Pour l'aider à... Ah, ouais. Ça, quand j'ai mon siphon bouché, c'est lui qui vient pisser dans le lavabo. Hein. Vital. Ah, ben là, voilà. Ah, ça va, mon gamin. Tout belle-mère. Tout belle-mère, mes deux. Tout belle-mère. Tout belle-mère. Toujours autant que succès avec la femme, hein? Et camarade. Ah, c'est le journal d'aujourd'hui. Bien sûr, c'est le journal d'aujourd'hui, oui. 17 mars. Ah, ouais. Lui, comme il perd sa mémoire, lui, n'importe quel journal, c'est toujours le journal d'aujourd'hui. Ça fait 3 mois qu'il est le même. Hey, ça va? Hein? Vous trappez? Ah, vous avez rendu vos dents? Oui, oui, m'a rendu mes dents. On lui avait confisqué ses dents. Parce qu'il fait des blagues avec, hein? Ben oui, la nuit passée. Qu'est-ce que t'as encore fait? Je les ai échangés avec celle du 224. Et comme elle a une bouche beaucoup plus grande que la mienne et qu'elle a la Parkinson, elle a joué des castagnettes toute la journée. le boucan, c'est... Déjà que la nuit, elle empêche tout le monde de dormir, celle-là. C'est celle qui a le Parkinson, là. Mais ça, j'ai déjà dit aux infirmières, on ne fait pas dormir quelqu'un qui a la Parkinson dans un lit en fer. Hein, non. Après, moi aussi, de temps en temps, j'aime bien faire des blagues. Attention, hein, je ne suis pas le dernier. Hein, je ne suis pas le dernier. On s'amuse bien, tous les deux. Il n'a pas longtemps, je me suis levé pendant la nuit. Tout. Et sans rien faire, sans faire de bruit, j'ai été échanger les Baxter avec la saut urinale. Et comme ils ne savent plus pisser par en l'air, ils ont le ventre qui gourle. Il y a le directeur qui avait déjà appelé le livre des records, il pensait que celle de 82 ans était enceinte. On s'amuse bien, finalement. Oh, comme de vieux fous. Le plaisir du diable. Oh, la blague que tu fais, ta préférée, ça j'aime bien. C'est de mauvais goût. C'est de mauvais goût, mais j'aime bien. Comme je suis le seul à avoir une télécommande pour la télé, hein, et qu'on est obligé de laisser la porte des chambres ouvertes, tu le sais, hein, ben le soir, je me promène dans les corridors et je baisse le son partout. C'est dégueulasse. Hein. Ça, c'est dégueulasse. Mais, ça, c'est dégueulasse. Mais on a la paix au moins. Oui, mais c'est dégueulasse. Hein. Parce que ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il fait encore plus crapuleux. Mais ça, j'ai déjà dit que tu ne vas plus le faire. Il a des limites à tout. C'est que, quelquefois, il change carrément de chaîne, il met la RTB. Mais ça, c'est dégueulasse. Ça. Enfin. Vous devez être content quand vous avez remis vos dents. Oui, en effet, ça me fait de la compagnie. Mais tu sais, je comprends. Hein. Vous êtes attaché. Le soir, enfin, la nuit quand je vais me coucher, au lieu de les mettre dans le verre d'eau, ouais, je les pose sur l'oreiller à côté du mien. Et comme je dors sans mes lunettes, quand je me réveille le matin, je crois que ma femme est encore là et qu'elle me sourit. C'est sûr? Ouais. Il y en a qui travaillent du chapeau, mais lui, il fait des heures supplémentaires. Il y en a de ceux qu'on a régné dans le plafond, lui, c'est carrément Spider-Man. Hein? Il n'est pas bien, il perd sa tête. Et il perd complètement la mémoire. Hein? Et on le voit qu'il perd la mémoire. Hein? Ici, au réfectoire, c'est le seul qui est content d'aller manger. C'est qu'il perd sa mémoire. Hein? On le voit bien qu'il perd la mémoire. Quelquefois, la journée, il peut appeler l'infirmière 50, 60, 80 fois d'affilée. Hein? Et quelquefois, elle vient. Hein? Mais quelquefois, ça vaut mieux qu'il perde sa tête parce que quelquefois, il n'a pas le moral. Alors je lui raconte une petite blague pour le... Et comme je n'en connais qu'une, à chaque fois, il rit.
Regardez-la, voyez, il est... Vital, vous voulez que je vous raconte une petite blague? Ah oui, oui. Ah oui, si je ne la connais pas, oui. Non, je ne l'ai jamais raconté que 152 fois. Écoute. C'est l'histoire d'un analogue. Un analogue? Oui. C'est un docteur, c'est un spécialiste. C'est comme un dentiste, mais c'est pour l'autre côté. Je suis... C'est un docteur que pour lui dire bonjour, il vaut mieux lui donner une baisse que lui serrer sa main. Voilà. Viens, prends-moi. Hop là, mon gamin. Un analogue. Elles peuvent entendre, les autres. Oui. Les infirmières. C'est l'histoire d'un analogue qui rentre chez lui le soir. Et sa femme lui dit, « Oh, ça a été ta journée, chérie. » Et il fait, T'as tellement compris maintenant, hein? Ça va, allez, faut l'emmener, hein. Emmène-le à la fenêtre. De temps en temps, il n'est pas bien. C'est à cause de son fils. Il n'a pas le moral à cause de son fils parce qu'il ne vient jamais le voir. Donc, son fils, il ne vient jamais. Si, le 1er janvier. Ça, chaque année, au 1er janvier, il est là. Hein? Ah ouais. Tandis ici, il est venu 17 fois. Ah ouais. Parce que l'autre, il vient au matin, il fait « Papa, bonne année !»« Ah, oh, merci, mon garçon !» Hop là. Alors, il s'en va, il revient une demi-heure après. « Papa, bonne année !»« Ah, oh, merci, mon garçon !» Hop là. Ah oui, l'autre. L'autre, il arrête quand il n'a plus de chèque. Saligo. Ouais, il vient jamais. Alors que normalement, ce qui était convenu avec son gamin, c'est qu'il vienne le chercher tous les dimanches. C'est bien parce que Vital, quand on l'a amené ici, j'étais là. Et il lui avait dit, j'y allais te chercher tous les dimanches. Ouais, jamais venu. Et ça, c'est bizarrement. Regardez que c'est comique, mais ça, il s'en souvient. C'est bizarre, hein? D'ailleurs, le dimanche, vous devriez voir. À 7h, il est beau. Il a déjà fait sa toilette. Il met son beau costume, sa cravate, son chapeau. Il met une belle chemise. Il met ses beaux souliers, il descend. À 8h, il est déjà en bas. On ouvre les portes à 9h, mais à 8h, il est là. Hein? Il est sur le banc, dans l'entrée. Il attend. Et l'autre, il ne vient pas. Il n'est jamais venu. Et il ne bouge pas, hein? Il reste là toute la journée. Ce jour-là, c'est pas compliqué, il ne vient même pas manger. Pour vous dire. Il attend. Il ne vient pas, l'autre. Jamais. Il n'est jamais venu. Vers 8h du soir, 8h30, quand on referme les portes, il attend encore un petit peu, il dit qu'on ne sait jamais, bah, bah, ça sert à rien. Alors, il remonte dans sa chambre, il enlève sa cravate, son costume, sa belle chemise, il remet tout à plat, il range ses souliers. Il me saute au pyjama, il va se coucher. Et moi, ça ne me regarde pas, mais ça m'énerve. Ça ne me regarde pas, mais moi, ça me fait du mal. C'est mon camarade, quand même. Hein. Ça m'énerve, d'ailleurs, à chaque fois, je lui dis, alors, hein, je lui dis, hein, Vital, c'est ton fils, dimanche, il est venu. Non, hein. Il a oublié. Ah, il a oublié, on dit oublié, il oublie tout le temps, hein. Alors, pour lui remonter le moral, à chaque fois, je lui dis, Vital, ton gamin, s'il oublie comme ça tout le temps, c'est bon signe. C'est qu'il tient de son papa. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, après de longues délibérations, le jury a décerné à l'unanimité le titre de Miss Belgique à Mademoiselle Ingrid Vervoeren.
je suis ému. Alors ça, je ne m'attendrai pas. Hein. Alors ça, c'est une surprise. Oh, merci, Julie. Julie, tonton. Je suis toujours demandé si c'était votre nom ou une invitation. Oh, merci. Oh, t'as fait mal. Félicitations. Merci. Et surtout, bonne chance. Merci. Alors, ça, c'est une surprise. Hein? Alors... Et dégage maintenant, c'est moi. Hein? Tu n'es plus rien maintenant, toi. Allez, hein? Francophone! Alors, ça, c'est une surprise. Je ne m'attendrai pas. Bien que quand j'ai vu que dans les 10 dernières finalistes, j'étais la seule flamande, j'ai dit Ingrid, ça, c'est peut-être une chance. Alors, je voudrais dire des remerciements à tout le monde. D'abord, je voudrais dire des remerciements à ma maman, que c'est elle. D'abord, qu'elle a dit que je pouvais faire Miss Belgique. Elle a dit déjà quand j'avais 14 ans que j'avais de bonnes menstruations, alors elle a dit, allez, hein! On va t'entraîner, hein? Alors elle m'a fait des entraînes que j'ai eu beaucoup de prix, mais déjà avant, à 11 ans, j'ai été Miss Cuistax à Coxide. À 6 ans, j'étais Miss Varicelle. À 16 ans, j'ai été Miss à la porte de mon école, mais ça n'a rien à voir. Mais même en Wallonie, hein, j'ai eu des prix. Hein. J'ai été première dauphine à Libramont, à la foire agricole. Et je dois aussi dire des remerciements à mon papa, que c'est lui aussi qui me l'a fait. Parce que quelquefois, je pense... Si, parfois, quand il n'a rien à la TV, tout ça, je pense. Et je me dis que si mes parents n'avaient pas eu des enfants, que peut-être que je ne serais pas là. D'ailleurs, moi-même, plus tard, je voudrais avoir des enfants. Par exemple, un garçon, une fille, ou deux garçons, ou une fille, un garçon, deux filles, deux garçons, ça n'a pas d'importance. Hein, ça, tu prends ce qu'on s'en vient, ce que tu fais pas des choix d'abord, hein, c'est vrai. Hein. D'ailleurs, que je dis que je vais faire deux enfants, peut-être que je vais même faire trois des enfants, hein, c'est vrai. Hein, ça, tu ne fais pas des choix, que je vais faire un garçon et deux filles, ou deux garçons et une fille, ou trois garçons, ou trois filles, hein, ou alors tu fais d'abord deux filles et un garçon, ou alors tu fais une fille, un garçon, une fille, ça, tu sais jamais de l'avance, hein, ça, hein, tu prends quand ça vient, ça, hein, c'est... D'ailleurs, que je dis que je vais faire trois enfants, que peut-être que je vais même faire quatre enfants, hein, c'est vrai, hein, ça, c'est... que je vais faire un garçon et trois filles, deux garçons, deux filles. Ou alors trois garçons, une petite fille, ou alors un garçon, une petite fille, deux garçons, ou alors deux garçons, une fille, un garçon, ou alors quatre garçons, que tu fais de Dalton comme ça, ou alors quatre filles, ou alors trois filles, un garçon, ou alors deux filles, deux garçons, ou alors que tu fais une fille, deux garçons, une fille, que tu fais de sandwich, ainsi, alors que... Mais si je peux faire des choix, je préfère encore avoir trois garçons, une fille, que trois filles, un garçon, déjà pour les habits, hein, parce que pour les habits, déjà, hein, quand tu as un petit garçon, déjà que tu mets un short, un blouson de t-shirt, tout ça, ben, et après, hop, il y a le deuxième qui vient, le petit, que c'est le doigt qui est plus grand, hein, sinon le garçon est plus... que tu fais des récupères, que tu prends le short, le jean, le t-shirt, que tu mets sur le 2, et après que sur le 3, après que tu récupères le jean, le t-shirt, le short, que tu mets... Et puis cette petite fille, mais tu peux quand même mettre le jean, le t-shirt, le short, tout, parce que le vêtement d'un garçon, c'est ambidextre, hein, c'est vrai. Parce que si t'as d'abord une petite fille, que tu mets des jupes, des robes, des chasubes, et des petites culottes, après tu as encore une petite fille, que tu récupères de la prom, ce que tu mets des jupes, des robes, des... De chasupes ici, et puis c'est encore une 3 que tu récupères la S, la 2, que tu mets des jupes, des robes et des t-shirts, et après, que tu récupères tout ça. Hé, hey, attends! Après, c'est un petit garçon, tu peux pas mettre la jupe, les robes, tout ça, que les gens ils vont dire, hey, c'est une tapette, hein, celui-là, là! C'est pour ça que si je peux encore faire des choix, je préfère encore faire trois garçons et une fille que trois filles et un garçon. Et d'ailleurs, je dis que je vais faire quatre enfants, que je vais même peut-être pas faire quatre, que je vais faire cinq des enfants, que ça, que je vais faire un garçon et quatre filles et deux garçons et trois... Ah, si, je vais le faire. Trois garçons... Ah, si.
Oui, je sais, sur ta cassette, je vais que jusqu'à 4 des enfants, mais ici, tu payes 48 euros, alors je donne plus. Je vis jusqu'à 11 enfants. Ouais, ouais, ouais. Mais comme je n'ai que 10 de doigts pour montrer le 11e, je dois faire comme ça. Mais le 11, c'est un petit garçon. Hein. Sinon, les gens ne croient pas. Hein. Donc, tu fais jusqu'à 11 et on va y aller. Donc, un garçon, tu fais d'abord 5. Hein, 2. Non, je ne vais peut-être pas faire des 4, des 7, des 9, ça fait des enfants. Parce que je voudrais garder du temps pour travailler. Oui, je voudrais faire des études. Pour devenir architecte, avocate, ingénieur marketing, ou alors maquilleuse, je ne sais pas encore. Ou alors je ferai puéricultrice, mais si je fais puéricultrice, je ferai puéricultrice avec une spécialisation dans les enfants. Mais avant, je voudrais voyager. Oui, je voudrais voyager, car j'aime beaucoup les voyages. Moi, je voudrais voyager en faisant des voyages et en manga, en manga, en manga, en manga, en manga, en manga, il a beaucoup de rire. En m'engageant dans les œuvres humanitaires comme l'UNICEF, la Croix-Rouge ou Maquilleuse sans frontières. Pour venir en aide aux pays de développement comme la Bosnie, la Roumanie, la Croatie et la Wallonie. En tous les cas, je suis fier et heureuse. Je suis fier et heureuse que vous m'avez choisi pour être la délégueuse de notre pays, de la Belgique, dans tous les autres pays du monde entier international, que c'est même pas nous autres le nôtre, pour être l'ambassadatrice du charme, de l'élégance, de l'intelligence. Car je suis à votre image. Hey, c'est toi qui me l'avais choisi, hein? Oui, je suis à l'image de la Belgique, c'est-à-dire coupée en deux, avec le cerveau dans le nord, le cœur au milieu, et le cul dans le sud. Et alors, il n'a pas de la honte, hein, quand tu réfléchis. Et sans le cul, le cerveau ne prendrait pas beaucoup de plaisir. J'ai un peu voyagé dans la Wallonie. J'ai quand même vu que si le nord, c'est mieux pour travailler, et le sud, c'est quand même mieux pour s'amuser, hein. Je ne fais pas de la politique, hein, mais je ne vais pas un jour devenir cul-de-jatte pour faire plaisir à mon cerveau. Hein. Je ne fais pas de la politique, mais ceux qui crachent sur le cul, ça aide à être hypocrite. Hein. Je sais ce que je dis, je suis une fille, hein, quand je n'ai plus envie de me servir de mon cul, je dis que j'ai mal à ma tête. Hein. Je ne fais pas de la politique, mais je peux quand même dire quelque chose dans ta télévision, monsieur de Cazer. Dank u wel. Je ne fais pas de la politique. Mais le cerveau, il peut chanter ce qu'il veut, il ne changera rien. Il peut faire les cauchemars qu'il a envie, il ne changera rien. Parce que depuis la nuit des temps et pour toujours, l'avenir de l'ensemble passe et passera toujours par là. Les loups! Et cisniers, rassemblez vos cisaines, il est 6 heures.
On voit bien, hein, ouais. 50 euros, hein, 27. Et nous, rassemblement local. Il est 6 heures. Ouais, 6 heures. Et comme chaque semaine, il n'y a pas encore un papa, il n'y a pas de maman qui est là. Hein. Ça te fait rire, toi. Chaque semaine, c'est la même chose. Et Louveteau, tes parents le savent, c'est jusqu'à 6 heures. C'est pas une garderie ici, il n'est pas marqué Varvara. Hein. Chaque semaine, c'est la même chose. Il n'y a pas une bagnole qui est là. Bon, allez, c'est pas grave, on ne perd pas de temps pendant ce temps-là. Allez, chansonnier tout le monde, page... Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il y a, toi? T'as pas ton chansonnier? Ne m'étonne pas, chaque semaine, c'est la même chose avec toi. Hein? Hein? Quand c'est pas ton foulard, c'est ta casquette. Quand c'est pas ta casquette, c'est ton totem. Quand c'est pas ton totem, c'est ton chansonnier, oui. Hein? Ouais. Ne m'étonne pas, Van Den Benden. Faut avoir été opéré des amygdales pour dire ton nom, Van Den Benden. Faut vraiment aimer les gosses, hein? C'est pas mon chansonnier. C'est pas grave, celle-là, tu la connais. Allez, chansonnier, page 4. Notre père. Parce que t'es chez les scouts catholiques ici. Si ça ne te plaît pas, tu vas au guide ou au patron, t'auras un affreux foulard, j'en ai vert. Vraiment aimer les gosses, hein? Allez, chansonnier, page 4, tout le monde, notre père. 3, 4. Notre père qui étais aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton... Pourtant, celle-là, tu la connais, hein? Allez, on commence tous en même temps. Et 1... Et 2, et 1, 2, 3, 4. Notre Père qui est aux cieux, que ton. Vienne, non, vienne, que ton règne, ou t'as dit arrive, que ton règne vienne. Vienne. Eh bien, ton catéchisme, c'est peut-être arrive, mais ici, c'est vienne. Toi, ton chansonnier, tu me ferais pas tromper. Ton règne vienne, que ta volonté. C'est surréaliste, surréaliste. Le Notre Père à Forêt Nationale. Allez, Notre Père qui es aux cieux, qu'on soit sanctifié, que ta volonté soit faite, comme au ciel, tu as dit cieux. Je t'ai entendu jusqu'ici, t'as dit cieux. C'est comme au ciel, tu as dit... Ah, tu m'appelais. Ah, c'est cieux, cieux. L'autre, en pleine prière, lui, cieux. Et puis, c'est pas cieux ici, ça qui est là. Parfaitement, quoi? Parfaitement que dans le livre de la jungle, il faut la prière, enseigne-toi, mon vieux. Oui, non, pas dans Walt Disney, ça je m'en fous, mais dans le livre original de l'autre, là, de celui qui l'a écrit, il fait la prière, hein. Eh bien, il ne le fait pas dans Walt Disney, oui. Je ne sais pas pourquoi. Eh bien, voilà. Eh bien, c'est parce que Sher Khan était musulman, qui sortait du ramadan, qui crevait de faim et qui l'aurait bouffé Mowgli. Tu m'énerves. Ça va, t'entends comme ça, toi? Ta terre comme au ciel, donnez-nous aujourd'hui. Ce jour ou quotidien, ça veut dire la même chose, ça veut dire d'aujourd'hui, hein. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aux offensés. Ne nous soumets pas à la tentation. Mais, ne me soumets pas à la tentation, toi. Mais délivre-nous du mal, amen. Voilà, c'est fait. 6h10, il n'y a pas une bagnole qui est là. Fais rire, toi. Ah, ça te fait marrer, toi. Hein? Mais, ah ouais, les parents, ils ont trouvé le truc. Hein? On fout les gosses au scout pendant ce temps-là. Hein? On va à Ikea. Hein? Facile, hein? On va à Ikea, on repasse chez Massif, on va chez Macro et puis on rentre. Eh, ça va, hein. Je le connais le circuit. Hein. Ikea, Massif, Macro, moi aussi j'ai un break. Hein. Ça te fait rire, toi. Ça te fait... Où est-ce que tu vas, toi? Hé, où est-ce que tu vas? Non, dans la cuisine. Allez, tu retournes dans la cuisine du local, tu es puni. Tu sais très bien pourquoi tu es puni. Cette semaine, tu n'es pas un loup comme ça, tu es un loup comme ça. Tu sais très bien pourquoi tu es puni. Quand on ne vend pas pour au moins 500 euros deux modules du Père Damien, on est puni. Eh bien, on verra si tu te rattrapes à 48-81-00. Voilà. Oh, ben, en attendant, tu as fini la cuisine? Tu as fini la vaisselle du local aussi? Eh bien, tu t'occupes, mon vieux. En attendant, tu vas me ramasser les papiers dehors. Voilà, tu vas me ramasser les papiers. Allez, dans le jardin, dans la cour et dans l'allée du garage. Allez, papier, jardin, cour, allée du garage. Allez, dehors. Et tu me feras les bâtons de Frisco aussi.
Et mets ton anorak, il neige. Faut vraiment aimer les gosses, hein, ici. Bon, allez, pendant ce temps-là, on s'occupe à les chansonnier tout le monde, page 17, parce que sinon... Hein, je sais bien, Van Den Benden, que tu n'as pas ton chansonnier. Celle-là, tu la connais, hein. Allez, buvons un coup, ma serpette est perdue. C'est une très belle chanson. Buvons un coup, ma serpette... T'es pas demandé le... T'es demandé le... T'es content, le... Et quoi, quand t'as fini, on te donne un poisson? Allez. Buvons un coup, ma serpette est perdue, mais... Buvons un coup... Je suis venu voir Sting ici. Et moi, je vais Forêt Nationale. Et buvons un coup, ma serpette est perdue. Mais... Et buvons un coup, ma serpette est perdue. Roxanne! Roxanne! Allez, tu le fais convenablement. Cette fois-ci, non, fais-le convenablement. Allez, c'est dans le chansonnier des Louveteaux. Un petit peu de respect pour le chansonnier des Louveteaux. Il n'a pas Roxanne dans le chansonnier des Louveteaux. Buvons un coup, ma serpette est perdue, mais... Ça ne t'intéresse pas ce qu'on fait, Van Den Benden. Quand je pense que tes parents te mettent ici pour faire des activités intelligentes. Suis intelligente. La preuve, maintenant on va faire les voyelles. Ah, ben voilà, voilà. Allez, et on commence par les... Rotten! 3, 4, Bavazaka, Masarpata, Parda, Ma... Ça te fait rire, ça, toi? Ça te fait rire, ça? Ça te fait rire, Bavakaka, hein? Tu crois que je ne t'entends pas d'ici, l'autre? Bavakaka, Bavakaka! Faut pas demander le niveau, un caca. Il est dans votre classe, lui. On ne m'étonne pas. Ils sont venus en autocar, ceux-là. Allez, après les A, les... 3, 4. Ben, j'ai comme un serpent, peur de... Ben, j'ai comme un serpent, Van Den Benden, tu m'énerves. Tu continues à m'énerver comme ça, on fait les accents aigus, les accents graves, les accents circonflexes, hein? Allez, après les E, les... Les F, l'autre. Non, attends, je l'ai dit avant de commencer, je l'ai dit, on fait les voyelles, je l'ai dit, je l'ai dit. L'autre. Après les E, les F, hein? Je confirme, ils sont dans votre classe, hein, ça... Non, oui, oui, comme... On va faire... Réfléchis. C'est le matériel. C'est dans ton chansonnier des Louveteaux, la dernière page, à la page des devinettes. Quelle est la différence entre la lettre A et l'église? C'est que la lettre A, c'est la voyelle, et l'église, c'est la consonne. Si c'est drôle. Elle est drôle, c'est dans le chansonnier des Louveteaux. Allez, après les E, les 3, 4. Bizikimi, sirpiti, pirdimi. Bizikimi. Ça donne envie de faire pipi, hein, ça. Ouais, ouais, ouais. T'as déjà remarqué. Et encore quand on le chante tout petit doucement, c'est pire. Il y a déjà que madame, qu'elle est là depuis tout à l'heure, qu'elle s'est... Qu'elle a vu qu'il y avait des caméras, elle s'est dit, si je me lève, on va me voir dans la cassette. On va vous le faire rien que pour vous, vous allez voir, c'est intenable.
5000 personnes qui font... Je vais vous dire, à Roxane, après ça, c'est... Faire tout pour madame. Tout... Chut, tout petit, doucement. 3, 4, 8, 8. Ça, sur une vieille cystite... Biviziki, mes serpites, et perdu, mais... Biviziki, mes serpites, et perdu, mais... Bandon, bandon. Tu bouges encore une fois. Tu as de la chance que le local appartient à tes parents, toi. Après les I, les... Trois... Les O, U, O, U. Mais O, d'abord on fait O, après on fait U, d'abord on fait O. C'est mnémotechnique. Dites, c'est dans l'enseignement spécial que vous êtes. Vous êtes pas... Bon vent, on commence au poteau Bordeaux, mon chum. Bon vent, on commence au poteau Bordeaux, bon van den benden. Quand je pense que la paroisse paye des bénévoles comme moi. Et toi, non. Bon, on fait les U. Allez, on fait les... Hé, hey, Baba Kaka, est-ce qu'il est, là? On fait les U, mais je te préviens, Baba Kaka. Je t'aurais prévenu. Je te sens venir, je t'ai à l'œil. C'est entre toi. 3, 4, buvisucu, monsieur Pétu perdu. Et voilà, je le savais, je le savais, je le savais. T'es comique à buvisucu. Ah ouais, hein, cocu, hein, ouais. Non, c'est comique, après, après Baba Kaka, buvisucu, hein. Ah bah ouais, bah tiens. Voilà, c'est rire, ça fait rire. Ça te fait rire, ça fait. Je m'énerve, ça te fait marrer, toi. Très bien, ça va. Ok, très bien, pas de problème. Moi, je m'en fous, hein. Je suis là jusqu'au demain matin, s'il faut. Hein. Allez, punition pour tout le monde, punition générale pour tout le monde. À cause de toi tout seul. Tu vois, ça, c'est la démocratie, mon vieux. Eh ben, t'as décidé pour tout le monde. C'est la démocratie à l'envers. Une punition générale pour toi tout seul. Allez, punition générale. Allez, chansonnier, page 54, Enrico Macias. Oui, je sais, c'est... Je sais, c'est sévère. C'est... Limite cruel, mais c'est... Baba Kaka. Punition. Enrico Macias. La, 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 ouais, c'est... C'est réorchestré par Red Hot Chili Peppers. La 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 la. La 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 la. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Toi, tu continues, Van den Benden, ton père, il n'aura plus de fils, hein. C'est le plus frondeur de tout l'or. On cite en exemple et on le punit car on ne l'aime pas. Qu'il soit un démon, qu'il soit noir ou blanc, il a le cœur pur, il est tout innocence. Qu'il soit né d'amour ou par accident, malheur à celui qui blesse ça. Toi tu continues, va te blesser, je vais te blesser, je vais te faire bouffer ta casquette, ton foulard et ton totem. Viens ici, viens ici, Valou, attrape-le, Valou, attrape-le, viens ici. Yes! C'est à moi. C'est pas pour moi, c'est pour ma jambe.
c'est parce que j'ai ma robe qui s'est endormie. Regarde comme elle dort bien. Seigneur. Et je le sens hein, quand elle s'endort. Hein. Il y a ma chaussette qui bat. Mon œil de perdrix qui se ferme. C'est quand elle se réveille que c'est désagréable, parce que là j'ai des fourmis plein manche. Oh, ça c'est désagréable. Ah, moi aussi. Des problèmes de circulation. Moi aussi. Des problèmes de circulation. Comme... Oh, des fourmis dans ça. Oh, que c'est désagréable d'avoir. J'ai des fourmis dans ma. Oh, les sales bêtes. Oh. Oh, j'ai déjà tout essayé pour m'en débarrasser, impossible. Oh. Ça, quand on a des fourmis dans une maison, c'est déjà. Mais dans une jambe. J'ai tout essayé pour m'en débarrasser. J'ai mis du sel dans mes pantoufles. Remonte quand même. J'ai découpé des semelles en vapona. On m'a dit pour se débarrasser des fourmis, il faut pouvoir tuer la reine. Il faut tuer la reine. Et elle est la reconnaître d'or, tout ça. On m'a dit, oh, c'est facile à reconnaître, comme on dit généralement, la reine, c'est celle qui a le plus les chapeaux. Enfin, je vais pas vous embêter avec ça toute la soirée. C'est des histoires de vieilles personnes, c'est vrai. Enfin, des histoires de circulation. Et encore, moi je n'ai pas à me plaindre. Quand je vois celui qu'ils ont mis dans ma chambre avec moi, j'en ai un nouveau encore. Parce que l'autre, il a... Ouais. Bah, ça... bah ouais, ici on n'est que de passage. Hein. On rentre rarement ici pour faire un stage de tennis, hein, madame. Hein. Mon ami à nouveau, mais lui il est embêté avec sa circulation, mais il a des problèmes de circulation, on a carrément dû l'amputer des deux jambes, lui. Ouais, parce qu'il a fait une grande graine. Et moi j'ai des fourmis, lui, une grande graine, on l'a amputé des deux jambes. Oh, c'était triste. J'étais là quand on lui a annoncé qu'on allait l'amputer, ça lui a fait un choc. Il en a eu les jambes coupées. Ne riez pas, madame. Ne riez pas. Vous seriez venu à l'enterrement? Quoi? Non, de ses jambes, l'enterrement de ses jambes. Non, lui, il va bien. Enfin, il ne va plus qu'à moitié, mais il va bien. Mais ses jambes, on les a enterrés, hein, madame. Qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse avec? On n'a quand même pas les monter en lampadaire. Hein. On les a enterrés. Eh bien, à mon âge, bon, j'ai déjà été à des enterrements, c'est normal. Hein. C'est jamais agréable, c'est triste. Mais un enterrement de jambes, je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas, c'était émouvant. Bon, je sais bien que quand on rentre dans un home, c'est pour en sortir un jour ou l'autre les pieds devant. Mais là, c'était quand même loin devant. Hein. On dit toujours que perdre des membres de sa famille, c'est triste, mais là, c'était quand même des membres fort, fort proches. Ils étaient très attachés. Et puis, il avait toujours pu se reposer dessus. On dit toujours que le plus dur, c'est pour celui qui reste, mais surtout quand c'est lui qui paye l'enterrement. Ça, il n'avait pas lésiné, hein. Il a fait ça comme si c'était pour lui. Hein. Oh, quel bel... Mais quel bel enterrement pour des jambes. Allez, pour des jambes. Avec un cercueil, moi, madame, un cercueil que j'y repasse maintenant. Je n'avais jamais vu un cercueil comme ça de luxe. Enfin, si, dans les films, j'avais vu dans les films américains. Là. Vous savez, les cercueils qui s'ouvrent en deux, comme ça. Hein, qu'il a deux parties au couvercle, hein, qu'on ouvre que le haut pour que le mort n'ait pas froid ses pieds. J'ai déjà vu ça. Hein. Mais lui, pour ses jambes, ben, il avait acheté un cercueil comme ça. Mais lui, il avait ouvert dans l'autre sens, hein, évidemment. Hein. Ben, ça faisait bizarre quand même. Hein, ben, il y avait ses jambes qui partaient en dessous de l'autre couvercle comme ça. On aurait dit un garagiste qui faisait une vidange. Hein. Et quand on a refermé le cercueil, bon, ça a été émouvant, bon, rien que d'y repenser. Oh, il a voulu embrasser ses pieds une dernière fois. Il a pris ses jambes à son cou. Hein. Et puis on a refermé le cercueil, on a été au cimetière et il a eu du mal à suivre quand même. Mais une chance! Il a encore eu une chance! C'est un hasard, parce qu'à son enterrement, il y a une petite cousine à lui qui est venue.
une vieille, mais elle avait déjà été au marché, c'est toujours de marché. Elle avait un caddie à provision comme ça, qu'on traîne, avec des roulettes au-dessus, un sac carré, en tissu écossais comme ça. Donc on a pu le mettre dedans, mon camarade. Mais c'était bien, il n'a pas eu froid avec sa tête qui dépassait. L'embêtant, c'est qu'au marché, elle avait acheté des poros, donc il avait des poros. On aurait dit le chef Ronny. Et on n'a même pas dû le tirer, une chance, à mon avis, c'est un corbillard qu'ils avaient racheté à des Hollandais, il y avait une boule de caravane, donc avec ses dents. Et parti comme ça. Il roulait pas vite, bien sûr. Hein. C'est rare quand ça roule à tombeau ouvert. Allez, je ne devrais pas me moquer. Et les fleurs? Mais les fleurs qu'il a eu à l'enterrement de ses jambes, je ne m'attendais pas ça. Des fleurs avec des couronnes de luxe comme ça, avec des rubans et des messages. Oh, profond regret, chaussures André. C'était triste. Vous nous manquerez la pédicure. C'est la couronne de sa sœur, par contre, que j'ai trouvé que c'était mesquin. Parce que sa sœur avait envoyé une couronne, mais c'était mesquin parce qu'elle avait mis à mon demi-frère. C'est mesquin. Hein? N'a pas d'autre mot, hein? C'est mesquin. Et il y avait une couronne? Comment que j'y repense maintenant? J'ai dit, à mon avis, c'est quelqu'un qui s'est trompé d'enterrement. C'était écrit à mon épouse. Oui, à mon épouse, c'est quelqu'un qui s'était trompé. Je me dis d'ailleurs, je lui dis, hé, Bob, regarde Bob. Robert. Là, je l'avais appelé Robert, je me souviens, parce que Bob, c'était son diminutif, mais comme il est déjà très diminué. Il est assez susceptible. Hein. Et il dit, Robert, regarde, il y en a un qui s'est trompé d'enterrement, il l'a envoyé à mon épouse. Il dit, non, c'est mes fleurs. Je dis, tes fleurs pour tes jambes, je m'étais mis à mon épouse. Il dit non. Mais au fleuriste qui me dit par téléphone, j'avais demandé à ma chère moitié, mais à mon avis, il n'avait plus de ruban, il a cru bien fait. Hein? Vous m'en dites, mais... Moi, bien sûr, madame, bien sûr. Moi, j'ai envoyé des fleurs, bien sûr, c'est normal, moi, c'est mon camarade. Mais moi, j'avais mis quelque chose de sobre, j'avais mis merci pour les pantoufles. Ben quoi? Ben, il n'allait pas les jeter, hein? Hey! Ça, c'est toute neuve, me dites, hey, de Brantano. Et après l'enterrement, je vais dire, comme dans les enterrements classiques, on est revenu ici au haut, on a bu une tasse de café, hein, vous savez comment est-ce que ça va dans ce cas-là, hein, on mange un petit sandwich, hein, on regarde les photos du mort. Donc là, il nous a montré ses radios. Hein, ouais, mais je vous parle de ça, il y a 6 mois. Hein, on l'a enterré au mois d'août, l'année passée. Donc, septembre, octobre, novembre, décembre, février, mars. J'ai dit quoi, 6 mois? 9 mois. J'ai dit 6 mois. 9 mois. Mais il a eu 9 mois. On s'en passe. Hein. Oh! Et hier, il me dit, on allait aller se coucher. Il était 10h, 10h30. Il me dit, parce qu'on est dans la même chambre, hein, tous les deux. Hein. Et il me dit, on allait aller se coucher. Autour de 10h, je veux dire 10h, 10h30 pour ne pas mentir. Il me dit, Amédée qui me dit, parce que comme on est dans la même, je vous l'ai déjà dit, Amédée qui me dit, à moi, hein? Oui que je lui ai dit, à lui, hein? Non mais faut suivre, hein? Non mais, Amédée qui me dit, oui que je lui ai dit. Et il me dit, tu vas me prendre pour un zaz, hein, qu'il me dit. Ça fait 9 mois qu'on m'a coupé, qu'il me dit, mais il y a des moments qu'il me dit, j'ai l'impression que je sens encore mes pieds. Qu'il me dit. Robert que je lui ai dit. Oui, qu'il me dit.
Je n'osais pas t'en parler spontanément, que je lui dis, mais maintenant que tu m'en parles, que je lui dis. Moi aussi que je lui dis. Il y a des moments, j'ai l'impression que je sens encore tes pieds. Madame, je ne blague pas, je sentais ses pieds. Et ça sentait fort. Hein? Et on a cherché pendant des heures d'où ce que ça venait du tiroir de sa table de nuit. Parce que le jour où on l'a embarqué à bordé pour l'amputer, les infirmières, elles avaient enlevé ces dernières chaussettes, mais elles ne les avaient pas achetées, elles étaient toutes neuves, ils ne les portaient que depuis une quinzaine de jours. Donc elles les avaient ruées en boule dans le tiroir, c'est de là que ça venait. Oh, qu'est-ce qu'on a ri avec ça? Oh, on a eu le plaisir du diable. Ah, oh, qu'est-ce qu'on a ri. On a bien rigolé. Gaga. Ah, vaut mieux d'ailleurs. Vaut mieux parce qu'il n'a pas le moral en ce moment. Je sais pas pourquoi. Réal démoralise en ce moment. Mais il faut dire que hier, il avait reçu le deuxième rappel de la facture des pompes funèbres qu'il n'avait pas encore payé. Il faut dire qu'il n'avait pas fait demi-tarif non plus. C'est normal, hein, ils travaillent ces gens-là, hein, il ne faut pas un métier facile. Hein. En plus, il paraît qu'ils sont beaucoup taxés hein, pour des gens qui travaillent toujours en noir. C'est vrai, hein, c'est vrai. L'enterrement, c'était au mois d'août, hein. Il faisait une chaleur. Une chaleur! Comme le jour où ce qu'il a fait tant chaud, hein, c'est pour vous dire qu'il faisait chaud. Hein. Eh bien, les pompes funèbres, en costume noir, hein, sous un soleil de plomb. Hein. Costume noir, cravate noire, chemise noire, des gants noirs, chapeau noir. Ils doivent crever de chaud là-dedans. Ils ne vont pas y aller en short non plus. Hein. Ben nous, hein, quoi, madame? Hein? En short, les pompes funèbres, nous, hein? À l'enterrement, en short. Hein? Je dis des bêtises, quelquefois. Avec une petite chemise en fleurs. Et... Je ne dis pas à l'enterrement de Magnum, vous parlez. Hein? Ou de Higgins, ou de Higgins. Et croque-molle, quel drôle de métier, hein, croque-molle. Hein, que je n'aimerais pas. Enfin, bon, maintenant, moi, je suis pensionné encore avec, mais je n'aimerais pas. Vous savez pourquoi qu'on les appelle des croque-molles? Non, je m'attendrai. Je n'ai pas d'espoir. Mais... Eh bien, je vais vous raconter. Je ne l'invente pas, je vais vous le raconter à vous aussi. Comme ça, demain, hein, vous pourrez le raconter à vos élèves. Et voilà une génération de sauvés. Je ne l'invente pas, je l'ai lu dans le dictionnaire en faisant mes mots croisés. On appelle un croque-mort. Un croque-mort. Parce qu'avant, mais dans le temps, dans l'ancien temps, hein, qu'il a longtemps, quand le mort, il mourait, qu'il était mort, le mort, si vous voulez, qu'il venait de mourir, avant de l'enterrer, pour être sûr qu'il était bien mort, on n'appelait pas le docteur à ce moment-là, il n'avait pas tout ça. Hein. Nous, pour être sûr qu'il était bien mort, pour ne pas l'enterrer vivant, qu'est-ce qu'on appelait pour vérifier? On appelait le croque-mort, voilà, c'est vrai. Et pourquoi qu'on l'appelait le croque-mort? Parce que pour vérifier, qu'est-ce qu'il faisait? Oui, oui, madame, c'est vrai. Il croquait leur tête, c'est dans. C'est pour ça que je leur souhaite que je vais mourir un samedi, parce que moi, je me lave les pieds le vendredi. Sale ou pas sale, tous les vendredis, je me... C'est pour ça qu'on les appelait les croque-morts, parce qu'ils croquaient leur tête, c'est dans... Jusqu'au jour, je ne l'invente pas non plus, qu'ils sont tombés sur un client comme mon camarade Robert, qui était... Et c'est depuis qu'on les appelle les pompes funèbres. Ça, elle a compris, l'enseignante, hein, ouais. On m'étonne pas. Et on rit avec ça, on rit avec ça, parce qu'on est en bonne santé, mais c'est arrivé, il faut pas rire avec ça. Ah oui, c'est catastrophique, hein. C'est arrivé plus souvent qu'on ne pense, hein. Qu'on en enterre, qu'on pensait qu'ils étaient morts, mais en fait qu'ils étaient encore vivants, hein. C'est arrivé souvent, hein. Ah, gardez Jésus. Un exemple, quoi? Jésus, il y a 2000 ans, enterré vivant, heureusement qu'il s'est... Quoi? Qu'est-ce qu'il a? Ah, oh, c'est un miracle, c'est ça. Ah, oh, Jésus, oh, c'est pas le même. Ah, oh, Jésus, c'est pas la même chose, c'était un miracle. Un miracle. Naïf. Je veux bien aussi un miracle, hein? Un miracle, on l'a enterré dans une couverture. Une pierre tombale toute droite, une ronde, même pas scellée, une œil qu'elle a fait rouler. Je veux bien aussi un miracle. Hein? J'aurais bien voulu le voir, moi, de nos jours, dans un cercueil avec des clous ainsi, et une pierre tombale de 2 tonnes et demie au-dessus de sa tête. Il aurait moins fait le malin, hein?
le Copperfield de Bethléem. Le Copperfield de Bethléem. Et on rit avec ça. Mais moi, j'y pense. Quelquefois, j'ai des angoisses comme ça. Maintenant que je suis plus près de la porte de sortie que de la porte d'entrée, j'y pense. Mais j'ai résolu le problème. J'ai acheté un GSM. Oui. Non, c'est dans mes dernières volontés. Les infirmières le savent bien. Quand on va m'enterrer, il faut m'enterrer avec mon GSM dans mon cercueil. Comme ça, si jamais on m'enterre que je suis vivant, que je... Ben, il faut que je me réveille, bien sûr. Ben, je l'allume, j'appelle l'infirmière, elle vient. C'est pas une bonne idée, ça. C'est pas une bonne idée, ça. Ah ben d'abord. Ben, je ne me vante pas, hein. Attention, quand je dis que c'est une bonne idée, je ne me vante pas, c'est pas une idée à moi. Non. C'est une idée à mon camarade Vital. Vital. On est vite parti quand même. Alors, on s'entendait bien avec Vital. Il avait sa porte 3-4 chambres plus loin que la mienne. On s'entendait bien. On jouait tout le temps au Scrabble à deux avec nos knick-knacks. Enfin, excusez-moi, j'ai un passage à vite, mais ça va aller. Eh bien voilà, c'est de ça que je parlais, c'est que c'est lui qui avait eu l'idée, il avait demandé aux infirmières, on l'enterrait avec son GSM dans son cercueil, mais lui ne l'avait pas coupé avant. Ah oui, mais comme il n'avait pas dit à tout le monde qu'il était mort. Il y en a qui lui ont téléphoné, mais pendant la messe. Il y a le cercueil qui a sonné dans l'église. Au début, je n'ai pas fait attention, je croyais que c'était l'antivol, moi. Et justement, pendant le sermon, il y avait le curé qui était là. Il arrive un moment où Dieu rappelle les siens. Aujourd'hui, Dieu rappelle Vital. Quand j'ai fait Vital, décroche, il a Dieu qui te rappelle, on a ri. On a ri. Et une ambiance à cet enterrement-là. D'ailleurs, les pauvres funèbres, ils nous ont dit si on avait su, on serait venu en short. Hein? Non, hey, moi, je vais me faire enterrer avec mon GSM dans mon cercueil, mais je vais le couper avant. Hein? Oh, ben oui, hein, madame, je mettrai un message à ma boîte vocale. Hein? Je ferai bonjour, je suis momentanément décédé. Laissez-moi un message, je vous rappelle dès mon retour. Je suis sûr qu'il y en a qui vont me laisser des messages. Ça, j'en suis sûr. Il suffit que je donne mon numéro de téléphone à madame qu'elle va me laisser. Ah, madame! Non, je vous taquine, madame. Mais vous dire, je vous taquine, j'en suis sûr qu'il y en a qui vont me laisser des messages parce que j'ai fait un essai. C'est une mauvaise blague, moi je m'en fous. J'ai fait ce message-là, ma boîte vocale. J'ai fait bonjour, je suis momentanément décédé. Laissez-moi un message, je vous rappelle. Il y en a qui a laissé un message. Hein? Je l'ai rappelé, il a fait un malaise. Donc, je vais me faire enterrer avec mon GSM dans mon cercueil. Hein? Ah, hein? Comme ça, si jamais on m'enterre, mais que j'étais encore vivant. Faut que je sois vivant, évidemment. Faut que je sois vivant. Hein? Et que je me réveille. Je l'allume. J'appelle l'infirmière. Et elle vient. Pas bête. Là, dans mon cas, là, ce sera un miracle. Là, ce sera un miracle. Pas que je me réveille, hein. Non, qu'elle vienne. Regarde ça. Elle dort, hein? Ça vous fait rire, vous? Regarde, elle dort à point fermé. Ce qui est difficile pour une jambe, hein, de dormir à point fermé. Ouais, ça vous fait rire, mais quelquefois, elle dort comme ça toute l'après-midi, toute la soirée avec. Alors moi, quand je vais me coucher, elle ne sait plus dormir. Hein? Ah, ouais. Ah, nous, elle est en pleine forme, elle. Alors je vais me coucher, elle se relève. Oh, mais elle ne va pas bien loin, elle va jusqu'à la carpette, mais quand même, hein?
Alors, comme elle s'ennuie, ben, elle joue avec ma pantoufle. Elle la met, elle l'enlève, elle chante dedans. Oh. Avec ses orteils, elle joue avec les flanches de la carpette. Elle remonte dans le lit, elle embête sa sœur. Oh. C'est à cause de ma circulation. J'ai une mauvaise circulation, c'est ça qu'il a. Ah ouais. C'est à cause de ma circulation. Regardez, quand je vous parle ici, hein. Et mon bras qui s'endort. J'ai des problèmes de circulation, mais surtout de ce côté-là. Tout de ce côté-là. Regardez, comme je vous parle ici, je suis endormi d'ici jusqu'en bas, tout ce côté-là. Je sais bien qu'à partir d'un certain âge, qu'on ne dort plus qu'à moitié, mais moi, c'est jamais la même moitié. Non. Et quand j'ai mon bras qui s'endort comme ça, hein, il y a l'infirmier. C'est une petite comique quand même. Hein. Elle vient me voir, elle me fait. Ah, mais dès qu'elle me fait. Oui, que je lui fais. Non, parce que... Laisse-le assez. Votre bras, il s'est endormi. Oui, que je lui fais. Eh bien, demain, qu'elle me fait. S'il dort encore comme ça, je vais lui faire une petite... Oula. Vous l'avez vu? Oui, hein? Bougez, hein? Allez. Garde! Il rêve. Oh, garde, ça c'est comique ça! C'est comme les chiens, il rêve, il n'avait jamais fait ça. Hé là, hé. Il n'avait jamais. Hé, ça va aller, ouais, hé! Tu la vois celle-là, tu la veux? Allez! Ah non, attends, non, je sais ce que c'est. Le docteur m'avait prévenu. Ah ouais, voilà, ça y est, ça me revient. C'est à cause des médicaments que je prends pour ma tension. Il m'a dit ça peut faire ça, c'est les effets secondaires. Il peut être. Ah, bah, voilà. Il peut être somnambule, ce qu'il m'a dit. Ouais. Et il paraît qu'on ne peut pas contrarier à somnambule parce qu'il paraît que ça peut être dangereux, mais en attendant, quelquefois, en public, c'est gênant quand même. Et n'applaudis pas ça, toi, mais ça ne va pas, non? Ça te fait rire, toi. Moi, à mon âge, j'ai connu une époque, ça me faisait moins rire. Hein. Et pas de photo, hein, faites pas de photo. Hein. Pas de photo, hein, c'est équivoque. Je sais pas ce qu'il a, il n'avait jamais fait ça. Je sais ce que c'est. Non, je sais ce que c'est. C'est parce que hier à la télévision, on a regardé un reportage sur les prévisions électorales à Anvers, à mon avis, fait un cauchemar.